aussi, parce qu'on est à l'arrière du donjon de Jean-Bois. D'ailleurs, depuis le début, je dis donjon, je sais pas si on dit tour ou donjon, j'en sais rien. C'est peut-être ma lampe qui les gêne, du coup. Et j'aimerais bien en prendre en photo, mais c'est pas possible, il fait nuit. Donc ici, j'ai clairement pas assez de recul parce que là, j'ai le grillage direct. Je ne peux pas faire de photo ici, c'est dommage parce que ce côté-là, il est intéressant. Ouais, je pense que comme je suis là à éclairer le machin, ça doit pas être comme d'habitude. C'est peut-être pour ça là qu'elle, je dois les embêter. C'est pas comme d'hab là. Ça s'éclaire pas ici d'habitude. Ah, une chauve-souris. Y a des détails aux fenêtres. Oh non, là ça crame carrément. C'est pas forcément parce que j'ai allumé s'il y a quelque chose, c'est collé parce que faut vraiment que ça soit prêt. Oula, oula. J'ai me foutu où ma lampe? Hop, hop, hop. J'entends du bruit. Tant que je retrouve dans quelle poche j'avais foutu ma lampe. Bon, on va continuer, on va se ravancer devant finalement. On va aller à la lumière. Je pense que j'ai pas besoin de lampe là. Ah. Un doigt prendre le trépied, ça va pas. On voit rien, c'est chiant parce que le devant est ébloui. On va arriver en pleine lumière. Ah non, pas encore. Bon, le sentier doit être ici. Là, ça va faire mal aux yeux. Voilà. Et là, le problème, c'est que c'est cramé direct pour prendre des photos. C'est beaucoup trop éclairé pour pouvoir prendre les photos. On va refaire un tour à l'intérieur. J'en veux avec mon intérieur. Mais le problème, c'est que je suis obligée de laisser ça là. Parce que. Parce que voilà, il coule pas. Il coule pas dans les grilles, lui. Hein. Et que même là, moi, sans rentrer la main dans la grille, je peux pas vraiment voir grand-chose. On est obligé de passer dans la grille. Donc, il est quelle heure? Les chauves-souris. Il est 22, 21h50.